Salut Hubert. Salut, ça va bien? Ça va bien. Ça fait longtemps que je veux faire cette entrevue-là, moi. Je te dirais que ça fait pas longtemps que moi je veux la faire, mais à cause qu'on était à Québec, puis quand j'ai eu la demande venant de toi, j'ai dit, OK, on le fait. C'est quoi ta dernière année, 2022, toi? 2022, pour moi, c'était la sortie. Ben, mon album est sorti à la fin de 2021. Puis après ça, ça a été juste comme des shows partout, aux États-Unis, en premier. Après ça, on est allé en Canada anglais, on a tout fait ça. Après ça, on est allé en Europe. Puis là, on est en train de finir la tournée de cet album-là avec quelques spectacles au Québec. Fait que tu sais, dans plusieurs secteurs d'activité, 2022, c'est l'année de la relance. Parce que toi, t'as été hyper occupé, c'est ça? Moi, ça a été la relance, pour vrai, plus que ce que je m'attendais encore. À chaque fois que t'arrives dans un nouveau pays, que dans des villes que t'es jamais allé, que t'as jamais visité, puis t'as jamais entendu le nom avant, genre la veille, que tu regardes sur ton horaire, t'es comme, OK, on s'en va là-bas. C'est où, ça? C'est rempli de genre de jeunes dans leur vingtaine de là-bas qui hurlent toutes les paroles de chaque couplet, de chaque refrain. Pour moi, c'était... Ouais, c'était malade. Fais-tu, là? Es-tu sur ton X maintenant? On dirait qu'avec le temps, c'est peut-être pas nécessairement d'apprendre à fitter, mais d'apprendre à être bien avec le fait de ne pas nécessairement avoir l'impression de fitter à nulle part. Mais c'est quand même assez spécial. Quand toute ta jeunesse, à l'école, t'es un peu invisible ou t'as pas vraiment de... Puis là, soudainement, quand tu te mets à avoir du succès, la relation avec les personnes que tu connais change. Parce que soudainement, des personnes qui se foutaient de moi au secondaire ou des trucs comme ça, là, sont comme intéressées par, genre, mon succès ou comme peut-être des biens matériels que je peux avoir. C'est weird. Moi, j'avais l'impression, vu de l'extérieur, que tu pouvais maintenant te permettre de dire le gars que vous pensiez faible sur lequel on pouvait taper de façon métaphorique puis en réalité, mais il est rendu fort. Tu sais, T'as 11 Félix. Ça rend pas fort, ça. Ça rend pas. T'as pas le goût de dire. T'as pas le goût de pas avoir à dire shut the fuck up. Je me suis jamais considéré faible. Jamais. Non, fait mais que... les autres pouvaient te considérer faible. C'est pas drôle. Ben, les mots qu'on t'a affublés, c'était pas nécessairement. Ben, je sais pas comment eux me considéraient, mais ouais. Je me suis jamais vraiment. C'est sûr qu'après ça, il y a un feeling de... Surtout le Félix d'interprète masculin où est-ce que comme... Il y a une partie qui est comme le vote du public, puis je sais qu'il y a... Pour beaucoup de monde, c'est comme quand j'ai commencé, il y avait plein de monde qui disait « Ah, ça va pas durer, c'est comme, je sais pas, dans un an ou deux ans, ça va être un has-been », puis là, c'est comme... Là, ça fait comme 4 ans, puis je reviens, puis je gagne le vote du public. C'est sûr que c'était une bonne manière de détendre d'en face au monde, comme « fuck you, je suis encore là », tu sais. Et le Félix va à Hubert Lenoir. J'espère qu'en vieillissant, je deviens plus, plus fort. Hein. Pas, juste, pas, juste plus... J'aimerais ça un jour avoir peur de rien. Puis... Ah ouais, OK, je veux dire... Ça va prendre plus que 42 secondes, for real. Crissez-moi patience. C'est pas que je veux comme renier des comportements que j'ai eus comme publiquement avant. C'est juste que je suis encore tout down avec ça. C'est que c'est plus que maintenant, je suis plus vieux. Pour moi, il y a comme la gentillesse puis la politesse, c'est quelque chose qui est important. Fait que... La performance scénique est comme... je le fais beaucoup. Je pense que je le fais quand même assez bien, en toute humilité. Parce que... Mais pour moi, c'est quelque chose... C'est comme ma première manière de gagner ma vie, ça a été ça, en jouant dans la rue. Puis pour gagner ma vie à ce moment-là, je me rappelle que c'était un... Il fallait donner quelque chose, il fallait donner un spectacle. Fait que pour les gagner, pour qu'ils finissent par te pitcher peut-être un 5$ ou un 10$, puis pour faire comme...
de l'argent avec ça, il faut que tu donnes un spectacle. Fait que moi, j'étais extrêmement timide, puis j'étais terrorisé, mais il fallait que je survive, il fallait que je gagne ma vie. Pour moi, c'est vraiment l'écriture de musique, puis faire des albums, être en studio. Si j'avais pas ça, je ferais pas de spectacle. Cette chanson-là, c'est une des meilleures chansons que j'ai écrites de ma vie. Ça s'appelle « Secret ». Te parler de mes sentiments que j'éprouve en secret dans ce... Il va où ton chemin en 2023? Je veux juste essayer pour la prochaine année. Là. Je veux juste comme me concentrer pour écrire des trucs, travailler sur d'autres projets, écrire pour d'autres, réaliser, produire pour d'autres. Mais quelle résolution est-ce qu'on devrait prendre dans la région de Québec ou au Québec? Tu sais, je te laisse ça large. Là. Qu'est-ce qu'on devrait changer de notre société, de notre façon de faire? Qu'est-ce qu'on devrait prendre comme engagement? Il y a plein d'organismes comme le Pantoum ou comme partout qui font des gros efforts. Puis je pense qu'il faudrait comme pas prendre ces endroits-là pour acquis. Faudrait pas prendre le milieu culturel ou juste l'espèce de vie de ce qui rend Québec une ville aussi nice que ça à habiter. Puis de continuer à faire des efforts pour rendre ça meilleur, pour que le monde plus jeune ait encore le goût d'habiter ici. T'aimes Québec? Je pense que j'ai prouvé mon point là, en décidant de rester ici après toutes ces années-là. Puis, t'es pas obligé de penser qu'à cause que t'es dans une petite ville, t'es pas vraiment sur la map. Moi, tant que l'aéroport est à 15-20 minutes de char, là, si je décide que j'y vais. Là. C'est comme, faut plus pas avoir peur. Faut comme pas te choquer. Puis même après des succès planétaires, tu reviens à Québec. Moi, Québec, c'est mon spot, c'est ma ville. Inquiète-toi pas pour moi. Bon, parfait. Il y a d'autres monde qui pourraient t'inquiéter, mais moi, je reste. On regarde ça là-dessus. Hey, Hubert, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Super intéressant. Merci.